c'est Pascal qui va jouer avec Artus et puis c'est Julie Reynaud qui va jouer avec Tanina. Allez, changement. Voilà, l'équipe de mot de passe. Donc, c'est une équipe qui devient une famille, qui a envie de vous retrouver tous les samedis, avec la bonne volonté de vous faire gagner, car les artistes viennent comme ça, tout simplement pour essayer de jouer avec vous et vous faire gagner. Et au terme des épreuves de qualification, il y a une finale, et au terme de la finale, il y a 20 000 euros. Prêt, Artus ? Oui. Alors, c'est parti. Pascal reçoit les mots. Cul. Fesse. Marie. Femme. Éprouvette. Marie, éprouvette. Pêche. Épice. Épice. Passe. Passe. Mauvais. Bon. Téléphone. Portable. Déplaçable. Téléphone. Ah, il a pas mal joué, hein. 2 points au total, en plus, ça fait 10. Parce que il a joué, mais un peu dans tous les sens. Bon, cul, fesse, bon, c'était... Et puis alors, bon, mauvais, c'était bien. Alors, pour Curie, Marie éprouvette, épice. Il est allé d'abord du côté derrière, de Marie, oui, Curie, Marie Curie, oui. Éprouvette, puis quand ça n'allait pas, il a changé épice le Curie. Ah, oui. Bon, enfin bon, faut le suivre. et après, il y avait le verbe trahir. Ça fait 10 au total, 6 pour Tanina, mais une manche de retard. Tout est à jouer. Il y a un virage hein, à chaque fois dans une partie, et le virage, c'est maintenant. C'est-à-dire que si maintenant vous arrivez à marquer 3-4 points, tout va être à rejouer dans la dernière manche de qualification. Il faut marquer 3-4 points. Okay. Pas moins de 3, à mon avis. Et c'est Julie qui va faire deviner les mots à Tanina. Employé. Salarié. Contraire. Viré. Employeur. Passe. Musicien. Instrumentiste. Classique. Violoniste. Italien. Passe. Volcan. Etna. Trou. Cratère. Haut. Bas. Ah là là, c'est pas mal, mais je sais pas si ça va passer après. On va voir, on va voir. C'est alors, pas perdu. Employeur, patron. Ah oui. On cherchait le patron. Vous l'aviez, Pascal ? Oui. Ouais. Après, le musicien, alors... Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Puis des Italiens aussi, hein, c'est pas facile. Vivaldi. 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 Avec les 4 saisons. Oui, je me suis dit peut-être par saison, mais je ne savais pas trop comment le prendre non plus. C'est Antonio Vivaldi, évidemment. Après, le cratère, vous l'avez trouvé, au bas. Et puis, le dernier mot, mais vous n'avez pas eu le temps de le jouer, c'était Koala. 8 à 10. 10 à 8. J'aime bien, hein. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que ça veut dire que tout est possible. Vous allez jouer tout de suite, Tanina. On va cacher les mots, comme ça tout le monde jouera et sera dans la même situation que Julie Reynaud. Voilà, il n'y a pas de raison, alors. Et je rappelle que si vous avez envie de nous et que nous ne sommes pas là, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi... Vous êtes devenu fou, Patrick. Il y a une chaîne officielle YouTube, mot de passe. Il y a des tas de parties avec des mots cachés qui vous y attendent. Prête ? Là, il faut au moins 2 points. 4, ce serait bien. Bien, ouais. Hein, parce que je pense qu'ils peuvent marquer 2 points. Tanina, c'est à vous. Bouclette. Frisette. Chili. Carnet. Bolivie. Amérique. Passe. Passe. Mineur. Majeur. Médecin. Docteur. Animal. Vétérinaire. Ville. Paris. Chili. Ah, non, Lima, non. Ville. Chili. 3 points. Ça fait 11.
C'était laquelle ? C'est pas de spécialité, enfin, je cherchais une spécialité du Frisette, Pérou. Mais... bravo. Majeur, c'est bien. Vétérinaire, c'est bien. C'était le Pérou. Hein, Lima. Lima. Par exemple. Et alors, il y avait le bon résultat qui ne vous a pas inspiré. Moi, j'ai pensé à score, tout de suite. Étant donné, en plus, que Julie a travaillé pendant quelques temps à l'équipe, à la télévision. Donc, bon, mais enfin, bref. J'ai aucun conseil à vous donner. Je joue avec vous en même temps. Hein. C'est pour ça que je suis pris dans le jeu. Okay. Mais vous avez 11 points. Vous voulez chanter, là, ou... Après, peut-être. Après, peut-être. D'accord. Alors, Pascal a 10 points. Un point, il y aurait un jeu décisif. Deux points, Pascal partir en finale. C'est la règle. 30 secondes, face à vous, Artus. Et c'est vous, Pascal, qui faites deviner. C'est parti. Papier. Feuille. Rigide. Carton. Je passe. Sport. Football. Jordan. Basket. Corbeille. Papier. Plus. Poubelle. Yes. Séparé. Divisé. Il vous fallait un point pour l'égalisation, deux points pour gagner, vous en avez trois. 3 et 10, ça fait 13. Vous êtes la finaliste. Bravo. Bravo Pascal, vous avez bien joué. Et vous avez choisi de ne pas jouer la Principauté d'Andorre. Elle ne vous inspirait pas, vous avez passé. Vous avez été deux bons joueurs. Hein. Évidemment, il faut toujours quelqu'un qui part en finale. Mais enfin, vous avez été deux bons joueurs. Alors, un petit peu de musique, pas de musique comme ça, ou c'est comme vous voulez. Un petit extrait. Allez. Vous avez une super bonne voix. C'est beau le breton. Hein. Ouais. C'est beau le breton. Vous aussi qui regardez l'émission, vous avez envie de gagner la somme de 3000 euros que nous mettons en jeu chaque mois. Pour cela, il vous suffit de trouver le bon indice. Voici le mot de passe, c'est épagneul. Ah, j'aime bien ces chiens-là. Les deux premiers indices sont chien et race. Alors d'après vous, quel est le troisième indice? Est-ce 1, provençal ou 2, breton? Je vous répète, le mot de passe, épagneul. Et les deux premiers indices, chien et race. Envoyez votre réponse au 2 par SMS au 72121 ou si vous préférez, vous téléphonez au 3632. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Et bien, je regarde l'heure, vous avez encore à peu près 5-6 minutes pour jouer à ce jeu et tenter de vous inscrire pour gagner les 3000 euros si votre réponse est bonne. Mon cher Pascal, vous allez aller en finale et vous allez être accompagné par celui ou celle qui vous a apporté le plus de points. Selon vous, c'est... Ben oui, c'est Julie. C'est Julie Reynaud qui part en finale. Quel grand honneur.